Merci. But we try to find out that, for example, Atepovra was not only from 67, that it started already at the beginning of the 60s. But we have. Avait l'air d'un véritable arbre de Noé. Tous ces animaux étaient si bien domestiqués. Ils erraient sans cesse autour de la maison, en faisant des étranges. Met deze reeks kunstenaars verlaten we de Torino, de Turijn, komen van de Artepovra. We gaan nu naar Rome. Zijn we naar Venetië? Qui l'alba. Che cosa ho fatto? Io ho ripreso un tramonto con una Canon D5 100 ISO e da questo poi ho realizzato un loop di 30 minuti che va dal buio alla luce e di nuovo al buio, quindi è un qualcosa di ciclico. È una cosa che appartiene a un'idea di natura e quindi l'idea che avevano anche gli artisti che vedi qui, per esempio Mario Merz e Penone, che hanno questa idea di natura come stato primordiale, no? Dell'uomo in generale. Janis Cornelis, die op 20-jarige leeftijd naar Rome komt als kunstenaar, ontvlucht zijn Griekenland na die burgeroorlog. Qui était déjà dans la première partie. Oui, donc, oui. Il a fait quelque chose sur l'archéologie d'images, hein, parce que par exemple, la première fois qu'il était ici en visite, il a pris une flyer, oui, hein, oui. Donc il a fait une peinture, et puis c'est un dridé. Et puis là, il a fait un truc. La fin de la peinture, mais avec la simulation d'idées, où est la copie, où est l'original. Ce sont toutes des choses qui sont dedans, je pense. Et c'est à base d'un flyer qu'il a ici trouvé quand il était en visite. Et puis, on a Roberta. C'est le moule et on voit les mains. Hein, ici aussi, ce sont tous des mains dans une autre, dans une autre position. Donc il y a ici deux et là, dans cette chambre, il n'y a aucun, aussi deux. La main, c'est un truc de direction et aussi le truc pour être créatif. Et alors ces deux artistes... Oui. Une photo, hein, deux grottes. Je trouve que c'est une très belle image, parce qu'on ne voit pas ce que c'est. Moi, je pensais que, plutôt que c'était quelque chose, un détail
de Berlin à de Brugge ou n'importe quoi, mais non, c'est une grotte. C'est une grotte. Mais c'est vertical. C'est la faille. Hein? Oui, vertical, c'est la faille. Mais elle a mis ça donc horizontal. Et de toute l'imagination, elle a fait deux bureaux. Donc une avec comment elle a imaginé après la visite la forme de cette grotte et ça le parcours. Bon, c'est beau. C'est très beau. A à Z, sans être scientifique, okay. Mais quand même, on a beaucoup et fait de recherches. Et cette fois-ci, c'est centré sur Zorro. Et maintenant, c'est A à Z. Oui. Et l'intention de tout était de montrer que dans un label, il y a des choses très différentes. Très, très différent. Et un label est un label. C'est juste un... Mais dis-moi un peu, l'arte povera, c'est un mouvement ou une attitude? Pour moi, c'est quelque chose par hasard. C'est quelque chose par hasard. Inventé par Gelland, mais très tard, en septembre 67. Mais avant, il y avait... Mais c'était pour lutter un peu contre la prédominance du marché américain l'époque. Mais c'était déjà avant ça. Hein. Donc, Pistoletto était déjà... par exemple, Pistoletto était déjà... avait une exposition en janvier de 67 au Palais des Beaux-Arts. Donc, le terme Arte Pauvre était inventé assez tard. Mais pourquoi Arte Povera? Arte Povera, c'était une référence à un terme dans le théâtre, le polonais Jerzy Karkowski, hein, donc, c'était un régisseur qui voulait donc changer le théâtre par des régisseurs et aussi activer le public. D'accord. Hein, donc, le public est juste dans le noir et qui est passif. Et donc, c'est directement une référence à ça. C'est le living théâtre, c'est l'art vivant finalement. Voilà. C'est l'art dans le processus. Processus, mais à l'autre côté, c'est pas toujours ça, parce que quand on voit par exemple l'œuvre de Luciano Fabbro et beaucoup d'œuvres de Paolini, Paolini, c'est presque. Ah, disons, il y a une partie conceptuelle et une partie plus physique. Oui. Fabbro et Paolini sont très, très phasiques. Très phasiques. Conceptuels. Et conceptuels plutôt. Hein. Oh, vraiment des matières, des sculpteurs. Ah oui, des oui. Des sculpteurs oui. et des chercheurs. Par exemple, Paolini sur le dipte, l'illusion et tout ça. Et Prini, parlons de Prini, tu as eu l'intelligence de montrer. Oui. Il a fait une pièce spécialement C'était toute une histoire, aussi avec Connie Lerloff, qui connaît bien... La curatrice. La curatrice, qui connaît bien Prini. C'était tout... Moi, j'étais très, très, très heureux, parce que Prini a... un certain âge a la même radicalité. Il y a une chose qu'on n'a pas eue de cette exposition. On a très content, on a presque tout eu, mais une chose qu'on a manqué, c'était un entretien avec Enzo Speroni. On pouvait lui poser trois questions. Mais il n'a jamais répondu jusqu'à ce moment. C'était quoi les trois questions? Oui, par exemple, dans les années 60, il était le premier pour apporter les pop arts. Mais c'était aussi le premier qui faisait des choses à Pistoletto, Gilardi, tout, aussi lui. La première exposition de Zorio, c'était à 67, aussi de Zorio. Donc, et ce qui me gêne, c'est que aussi ici, en Belgique, il y avait un symposium chez Anton Herbert. Et on parle toujours de Annie de Decker, MTL hein, et Conrad Fischer. Mais excusez-moi, Turin était plus intéressant que notre endroit. Ça doit être un peu corrigé aussi. Et on peut faire un projet incroyable sur l'importance de Turin. Et pas seulement Arte Povera. Et puis on doit parler du pop art et comment toute cette friction à un certain moment entre pop art
et les Italiens. Mais c'est un mouvement qui est mort maintenant, l'Arte Povera. Ah ben, c'est pas. Ça a duré 4 ans, 4-5 oui, ans. Oui, mais ça. Et quand Zorio dit que ça continue. Mais je pense, parce qu'on a parlé avec des autres aussi, comme Pistoletto aussi. Pistoletto était à Bruxelles hein, récemment. Ben, je pense qu'il y a encore un vent dans leur, même dans leur tête assez vieux, qui est plus libre que, par exemple, quand on pense à des choses comme pop art ou nouveau réalisme. Tout ça, c'est vraiment devenu histoire. Mais pas l'Arte Povera. Mais pas l'Arte Povera. Tu trouves que l'Arte Povera continue ici avec ses travaux? Ben, même quand on parle avec beaucoup de jeunes artistes, les deux, ils sont encore, c'est dans la tête, mais surtout ce n'est pas encore fossilisé, c'est pas encore entré dans le... Aussi le fait que Gilberto est ici notre hôte pendant 4 jours dans un petit truc ici et qu'il s'amuse, je pense qu'il est vraiment amusé. C'est lui qui a fait la scénographie? Oui, et avec un grand respect avec son ami Anselmo qui est un peu trop vieux pour venir ici. Ouais. Mais c'est quand même... allez, ils sont... C'est la même chose avec Lawrence Wiener. Lawrence Wiener sera aussi de retour ici à Strombeek en janvier. Il y a quelque chose dans leur tête qui reste très généreux. Ouais. Et je pense... C'est parce qu'ils sentent que tu es généreux, peut-être. Hein? Oui, mais il y a aussi que ce n'est pas institutionnel. Allez, moi, je suis vraiment... contre le terme institutionnalisation. Ça tue beaucoup et de donc, choses. Et donc, le symbole de l'étoile, on m'a dit que c'était un autoportrait, c'est vrai? Non, c'est oui. C'est une chose que tu retrouves dans toutes les civilisations. D'abord, tu trouves l'étoile dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps. L'étoile est la première chose quand tu lèves la tête. La nuit, tu vois une étoile. C'est beau, la nuit d'être. Alors, quand tu dis autoportrait, c'est pas tout à fait faux. Enfin, bon, c'est autoportrait. C'est, tu vois le tableau de Léonard, le truc de Léonard de Vinci, l'homme qui est inscrit dans l'étoile. Et puis, c'est le Pentagone. Dans le cas de Zorio aussi, c'est une forme qui englobe l'espace, le sol, le plafond, etc. Mm-hmm. C'est une forme qui est en mouvement, toujours. Mais surtout, c'est symbolique de dans toutes les civilisations, l'étoile a son rôle. Tu as montré une étoile lors de sa première expo en 78. Oui, oui, oui. 78, oui. En 78, il y avait une double étoile hein. qui embrasait le sol, le plafond, le truc. Et puis il avait fait une étoile sur la brique de la galerie qui avait mordu. Voilà. Il y a toujours le feu, il y a toujours les éléments un peu... C'est ça. Et c'est les traits de l'origine de l'homme, du sculpteur. Mmh. C'est l'origine de la sculpture. Ça, c'est donc, l'origine de la sculpture. Ça, c'est l'origine de la sculpture. Oui. Donc ça, c'est le côté plus alchimique. Oui. C'est là-dedans qu'on fait fondre les... Attends, demande un truc qui nous donne des bons. Je n'ai pas pris au centre culturel. Je suis attiré à Belle d'autres trucs. J'aurais pu mettre quand ils y vont venir. Et alors, les autres artistes de l'Arte Povera, tu n'as jamais pensé à d'autres... Mais j'en ai fait 3, figure-toi. Tu en as fait 3. Mais oui, si tu le suis. Attends, qui? Je ne me rappelle plus. J'ai fait 2 fois Paolini. Et Mario Metz, la seule exposition de Mario Metz en Belgique, c'est moi qui l'ai faite. Ah bon? En quelle année ça? 80. Dis-moi un peu, quel rapport avais-tu avec Mario Metz? C'était quelqu'un d'assez costaud quand même. Hein? Il fallait le suivre. Il fallait le suivre. Il fallait le boire. Il fallait fumer. Il fallait... Non, c'était super dur. T'as eu... très difficile. Ah oui. C'est le type qui était tout le temps dans le conflit perpétuel. Il te testait. Mais j'ai appris un truc, d'ailleurs, parce que l'autre, il veut que je parle, que je fasse une introduction de mon rapport avec le truc, mais bon, en français. Mais tu vas rester à la con? Tu vas rester, là, non? Non, tu vois, Merz, bon, ça m'a mis 2 ans à lui faire la cour. Et elle a dit, on va faire l'expo.
Il n'a jamais dit non. Et puis, bon, il m'appelle de Paris pour dire viens me trouver, viens me chercher. Je suis à Paris, il est en train de monter chez Durand-Dessert. Il m'a dit, écoute, on va à Bruxelles, on va faire l'expo. Je le prends là, en bagnole la nuit, à peine à Bruxelles. Puis la nuit, il voit la galerie. Et il dit, oh, c'est plus grand que j'imaginais. Non, écoute, on la fera plus tard. Et puis... Quand il était déçu par... Non, c'est plus grand qu'il pensait, donc il voulait faire un truc plus important. Et puis, un jour, il me dit, voilà, tu dois faire une table en métal, telle dimension, tel truc. Quand la table est finie, tu m'appelles. Je dis, la table est finie. Ah bon, maintenant, tu dois trouver un néon de tel truc. Puis tu dois trouver des fagots. Chaque fois, c'était chaque semaine. Et quand c'est fini, tu me dis. Chaque fois, je dis, écoute, c'est fini. Ah bon, ben, oui. Il dit, Mario, donne-moi une date. Parce que moi, ah non, ben écoute, voilà. Et puis un jour, il m'appelle. Je suis à l'aéroport. Je viens monter l'expo. Voilà. Et puis, il a travaillé là toute la nuit. J'ai dû aller avec sa femme chercher des fagots dans le bois. Et à Bruxelles puis, à Bruxelles, ouais. Et puis, voilà. La nuit, il a fait le dessin. J'ai dit, matin, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, on fait le vernissage dans deux, trois. Non, le vernissage, pas besoin. La pièce est montée. Moi, je ne trouve pas rester. Truc. Et puis, il m'a fait comprendre un truc. Il m'a dit, voilà, il l'a dit comme ça, sans le dire, tu vois, une exposition. Lui, tu me demandes, Mario Merckx, il est spécial parce que, voilà, il ne veut pas, voilà, expo. En ce mot de telle date à telle date, le truc, être, voilà. Il m'a dit, quand toi tu es prêt, et quand moi je suis prêt, quand nous deux nous sommes prêts ensemble, on fait l'expo. Donc c'était une sorte d'alchimie aussi, de deux rencontres, de deux disponibilités. Parce que, oui, voilà, parce que toi tu vas me dire, oh non mais telle expo, ça, tel mois, moi je vais pas, j'ai tel engagement, tel truc. Il voulait vraiment qu'il y ait un moment, et c'est pour ça, bon, que pendant... un mois quasi, j'avais rien prévu, j'étais ouvert. C'est pour ça que tu n'as fait qu'une expo de Mario Merckx. Oui, parce qu'en plus, je me déchire. Il faisait des scandales dans les restaurants, moi j'avais pas envie. Et j'étais très content qu'il fasse pas le vernissage. Parce que moi j'ai déjà assisté à des vernissages avec lui, entre autres à Essen. Il y avait le musée là avait fait un grand dîner à l'ouverture d'un nouveau restaurant Ville Sourire. Et voilà, donc on avait notre table. Et puis, il lui montait sur la table, il montait sur les tables des gens, alors, la bonne bourgeoisie de Hanson, qui était là le vendredi soir en train de manger, et lui, il était là avec sa bouteille. Il chantait, et puis, non, il était tout le temps dans le conflit, comme ça. Zorio, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus humain, et pas lui, adorable, les êtres adorables. Mais Merckx, c'était quelque chose. Il te testait toujours, il était très brutal. Il te disait... Et je me souviens, je revenais de Paris, j'avais un tableau d'Alechinski, figure-toi que je devrais amener un collectionneur, il m'a dit, oh, t'es à Paris, tu ne peux pas m'amener ce truc. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses du tableau, là, derrière d'Alechinski? C'est bon, Alechinski, je dis, bon, c'était pas mon truc à l'époque. Je dis, oui, écoute, je ramène, c'est bon, un collectionneur. Enfin, c'est un très grand artiste. Il commence à prendre la position inverse, mais enfin, c'est un très grand artiste, t'as rien compris. Alors, chaque fois, tu retournais ta langue cette fois, hein, parce que si tu disais « c'est une pièce magnifique », il va te dire « c'est dégueulasse ». Tu dis « ouais, c'est pas terrible ». Quoi, t'as rien compris, t'es un idiot et t'as... Dis-moi un peu, l'Artepoeira est mort en septembre. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est toujours là. Oui, mais enfin, je veux dire, ici, on est dans le muséal. Oui. Hein, oui. C'est des pièces quand même historiques. Ce sont des pièces plutôt historiques, mais ça, c'est le choix du truc. Donc, est-ce que ces artistes-là fonctionnent encore aujourd'hui à produire autre chose évidemment. Que ce qu'ils ont montré dans les années 70. Oui, bon, ils ont leur truc. J'ai vu les derniers travaux de Gilberto, c'est toujours dans cette optique-là. Il utilise l'étoile. C'est évident que tu ne peux pas demander à un artiste Corneli, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des Corneli. Ils sont un peu prisonniers. Dis-moi, il y a peu d'artistes qui ne sont pas prisonniers de leur truc. Hein. C'était tellement fort, qu'est-ce que tu veux qu'ils inventent? Ouais, Paolini, c'est vrai que les Paolini sont un peu académiques par rapport à son... Il fait un peu l'académisme de lui-même, ça c'est évident. Mais bon, mais ils sont pas morts. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas demander à un artiste qui a eu du succès quand il avait 30-35 ans de se flinguer parce qu'il doit convivre et Zorio doit vivre, il continue à produire.
Maintenant, est-ce que c'est fondamentalement nouveau? Non. Non. Ils renouvellent les matériaux, ce sont des variantes, mais ça reste du Zorio. Pennoni, il fait toujours les arbres, hein, il ne faut pas déconner. Hein. Pennoni, c'est toujours son empreinte. Ho fatto un lavoro di molto grande, che era un po' un sunto, una stella sospesa con le luci strobo, molto pericolose perché se si è portati alla malattia dove si cade a terra, oddio. Però poi si spegnevano, facevano un rumore, no? Poi si spegnevano, si accendevano gli 10 archi voltaici, una cosa pazzesca, e tutto il muro faceva fiorare delle stelle, cioè delle macchie di fosforo, era un po' una summa. Sì, ho detto adesso faccio il manierista di me. Quello è bello, mi è piaciuto molto. Facciamo una pausa. Sì, io devo andare. Perché...